Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, certes, j'espère que vous allez bien. Et on va continuer Mafia 3. Donc, on va se rendre là où on était avant, à la maison. À la mer, parce que c'est vrai que c'est pas très en commun. C'est parti. Attends, il y a la police. Alors, il faut bien respecter le code de la route, sinon il est au courant de toutes les saloperies. On va être recherché, ça va être un peu pénible pour la vidéo. Si je dis qu'on peut lui faire confiance, c'est qu'on peut lui faire confiance. Ça me va. Bon, ça te ferait chier de me dire ce qu'on fout vraiment. On va buter Marcano et tous les salopards qui bossent pour lui. Voilà, vous avez. Si c'est tout ce que tu voulais, tu choperais un XM21 et tu te tartinerais de peinture de camouflage et tous ces connards seraient refroidis avant le dîner. T'aurais carrément pas besoin d'un centre tactique et de toutes ces autres merdes que tu m'as demandé. À mon retour, Marcano m'a offert Del Rey sur un plateau. Le vieux Samy a fait son temps, qu'il m'a dit. J'ai refusé. Alors d'après toi, tout ce qui est arrivé, c'est de ta faute. Les faits sont là. Qu'est-ce que tu croyais que ça allait faire? Organiser une petite fête pour Samy? Lui offrir une montre en or ou encore un trophée pour service rendu? C'est tous les deux que dans cette vie, il n'y a qu'une seule sortie. Et t'as toujours pas répondu à ma question. Je vais prendre le contrôle de la ville, quartier par quartier. Marcano voulait que je mène la danse à Del Rey. Qu'il aille se faire foutre. Quand j'en aurai fini, c'est toute la ville qui sera à ma poigne. C'est exactement ce que je voulais entendre. Condition, évidemment, que tu te sentes de taille. Et pourquoi pas? Oh, je sais pas. Peut-être parce que tu t'es fait tirer dans la gueule. J'ai peut-être perdu une case ou deux, mais ça finit toujours par revenir. Ça se passe toujours comme ça. Si c'est pas la putain de vérité, ça. Autre chose. C'est pas une grosse surprise, mais la plupart des flics sont à la botte de ça. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Je suis pragmatique. Si les flics te voient taper sur les sbires de salle, ils s'en prendront à toi. Oh putain, y'a pas que de flics là. De flics, pardon. Allez, on grille des feux. Rien à foutre. C'est quoi ça? Oh, bordel de cul. C'est une soldure un peu ou quoi? Attends. Allumer la carte. Ok. J'ai pas. Ok, non, on va pas allumer le pouvoir de Franklin. Je vais juste voir ce que c'est. Apparemment, c'est un truc de pharmacie. Il est où? Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Merde. Il y a un témoin qui appelle la police. Je m'enfuis, moi, attends. Bah, je monte dans ma caisse. Putain de... Bon bah écoutez, hein, c'est la vie, hein. Les gens appellent les flics. Quand il y a un vol de voiture, c'est la vie. C'est la vie, c'est ce que tu veux. On a les flics au cul maintenant. C'est pas grave. On va s'en échapper comme la GTA. Ah, la GTA. Ah, la GTA. Quand Franklin se fait poursuivre, bah il se... À faire pareil. À toutes les unités, visuel négatif sur le suspect. Je répète, contact visuel perdu. Oh connard! Oh putain. Alors, suspect perdu, mais il y a quand même des flics, hein. Pas déconner avec ça. J'ai failli me rentrer dedans. Alors. Ça, c'est pas très loin. Je sais pas ce qu'on va retrouver là-bas. Peut-être des ennemis, je sais pas. Là, j'ai un collègue. Tu veux que je revienne te chercher? Non, mec, c'est bon. Je retourne au motel. Passe me voir quand tu seras prêt. Putain. Pardon. Je parlais de la voiture. Hein. Voilà. Alors, attends, comment on fait pour escalader déjà? Ah, ok, escalade. Abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Je répète, abandonnez la poursuite et reprenez vos itinéraires de patrouille. Alors, est-ce que. Comment on fait pour frapper déjà? Aïe, aïe, aïe. Bienvenue à la maison, fils. Et maintenant, qui veut se payer une bonne murge?
Arrête tes conneries. Sa caisse, c'est un monstre. Je veux que ce soit toi qui gère Del Rey. Et t'aurais pas dû dire non. Ok. Il devait emballer le truc. Je vais vérifier s'il n'y a pas d'objet. Je pense toujours que c'est une mauvaise idée. Le Vietnam, c'est une vraie boucherie. Je dois le faire, c'est tout. Je t'ai déjà dit comment j'avais eu ça. Ouais, tu l'as volé. C'est ça. Directement de la poche de ce vieux blanc qui venait tout le temps nous faire chier. Prends-la avec toi. Ça m'a toujours porté bonheur. Je peux pas faire ça. Je sais que tu te crois seul au monde, Lincoln. Mais c'est faux. C'est faux. Tu seras jamais seul. Quoi ça? Si je me suis perdu une partie d'un jeu, c'est le propre niveau. Le cachet, oh non, ok, c'est pour, c'est un coffre, ok. C'est le coffre de Samy. Ok. Ok, on va voir s'il n'y a pas de choses suspectes à dire. Nouvelle tenue, vous avez débloqué de nouvelles tenues, changez de tenue en utilisant les armoires dans votre plaque. Planque, pardon. Ok, plaque. Super, on a des tenues. C'est vraiment à la GTA. Alors, action, soldat, c'est quoi ça? Ok, ma belle. Film métal, combat, c'est ce que j'ai. Oh mon dieu. Communauté. Avec son fils Elise et celui qu'il a adopté. Lincoln Clay. Il a tout fait pour aider notre communauté grâce à son association de bienveillance. Je vais me garer. Hein. Quand quelqu'un avait du mal à payer son loyer, à se procurer des médicaments ou même des couches culottes, Samy était là pour prêter main forte. Il nous a été enlevé trop tôt dans ce tragique incendie de bar. Il est parti avec ses hommes. Un incendie de bar. Vous vous rendez compte que c'est toujours la version officielle de ce qui s'est passé? Okay, bon. Ok. C'est bien beau. C'est en haut.
Bon, désolé s'il n'y avait pas de son, j'aurais dû m'interposer, bon, c'est pas grave. Alors, attendez les Haïtiens, donc on prépare un plan. Et moi, chaque fois, je fais de la bêtise. Ah là, mon Dieu. Désolé. Oh, ce gars là, voilà, inégalement, mais ça vaut le coup. Voilà. Parfait. Ok, on y va. Il paraît qu'ils vont rapatrier James Earl Ray cette semaine. Ça me fait marrer qu'ils espèrent nous faire croire qu'un seul homme est responsable pour Dr. King. Trop facile. Trop banal. C'est ce qui m'inquiète. Disons que c'est lui qui a tiré sur le Dr. King, lui et personne d'autre. Et si c'était aussi simple que ça d'abattre de grands hommes, comme le Dr. King, le président Kennedy et Malcolm X. Rien ne changera donc dans ce pays. T'en chies, tu sues toute ta sueur, et un type se pointe, prend tout d'un coup comme ça. Allez à l'intérieur. Salut, Moussoche. Attention. Faites un peu attention. Fais un peu attention. J'ai un pipi. Ok, j'ai un pipi. Oh, super. Alors, informateur. Les informateurs font marcher des trafics criminels de Newborn. Trouver, interroger les pour et obtenir des informations sur les objectifs. Associer les trafics. Pour interroger l'informateur haïtien, isoler lors d'un combat ou pister leurs proches. Le pour lancer la séquence d'interrogation. Ok. Pardon, c'est l'autre là. Enfin, je le tue. File-moi un coup de main. La mort est inévitable. J'attends la mienne de pied ferme. Ça fait quoi, Fusata? On veut tous que les sudistes dégagent de Delray. Dis-moi où est ton boss et je ferai en sorte que ça arrive. Putain, merde. Va à la boutique Vaudou. Le patron se trouve là. Désolé pour ton mal de crâne, frère. Voilà. On récupère le fric. Voilà, ça c'est bon. Je me garde également, voilà, comme ça. Toujours aussi beau. On trouve un moyen d'entrer. Alors. Peu. Merde. Merde, crudy. Alors, attends. Peu plus. Ah si, c'est bon. Un moyen d'entrée, bah moi je rentre dans la porte principale. Moi je suis désolé, mec. Hein. Faut que tu te rachètes une autre porte. Alors attendez, comme un bon vieux temps, on va attendre le chef. Apparemment, café. Sympa la petite histoire que tu m'as racontée chez les Haïtiens, comme quoi Baka t'avait séquestré. Et on m'a dit que tu étais mort. On est tous les deux pleins de surprises. On dirait bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Lincoln Clay? Je veux que tu m'aides à tuer Sal Marcano. Je vois. Il y a pas longtemps, c'est moi que tu essayais de tuer. Et là, tu te pointes à l'improviste et tu veux ma confiance? Maintenant que Marcano soutient les Dixie, c'est qu'une question de temps avant qu'ils tombent dessus. Et à ce moment-là, ils épargneront personne en chemin. À moins que je fasse équipe avec toi, c'est bien ça. Je veillerai à ce que tu aies Delray. Ensuite, ça dépendra de comment les choses s'enchaînent. Est-ce que tu sais pourquoi Sammy et moi étions en guerre? Parce que tu voulais récupérer la loterie. Je t'en prie.
Ce n'est pas parce que tu refuses d'admettre certaines vérités que tu dois te montrer aussi naïf. Sammy et moi, on se battait parce que les gens de Del Rey méritaient mieux qu'un vieil hypocrite, arrogant, qui leur donnait de la bouffe en conserve quand l'envie lui prenait. Il a toujours été à la botte de Sal Marcano, à faire ce qu'il disait même quand il lui demandait d'agir contre son clan. Il fait ce qu'il pouvait. Et pourtant, ce qu'il a fait était loin d'être suffisant. Une fois que j'aurai Del Rey, je le gérerai à ma façon, sans rendre de compte. Tant que tu me laisses accès à tes hommes, à ton réseau et à un endroit où venir me planquer de temps en temps, tu fais ce que tu veux. Marcano a remplacé Sammy par un type appelé Richie Doucet. Tu le connais? Un Dixie, je suppose. C'est un monstre! Il s'amuse à kidnapper de jeunes noirs et à les emmener dans le bayou. Ensuite, il les affame pendant quelques jours avant de les libérer et il leur dit de courir. Parfois, il lâche les chiens, tu sais, comme au bon vieux temps. C'est comme ça qu'il a tué ma sœur. Ce qu'il me reste. Comment je le trouve? Le coin est encore dangereux pour Richie, alors il bouge beaucoup. Mais ses hommes bossent autour du centre communautaire et de l'ancien théâtre. Le Perla, c'est comme ça que ça s'appelait. Baptisé en hommage à la mère de Sammy. Je m'en occupe en priorité. Un de mes hommes l'a surveillé pour voir ce qu'il pouvait en apprendre et comment c'était géré. Tu devrais aller le voir et lui demander ce qu'il sait. Quand ce sera fait, je m'occuperai de l'église. Alors, comment on va le temps terminer? Okay. Ça y est, on a fait ami, on est potes. Ça, je sais pas ce que c'est. Associé. En recrutant Cassandra, vous avez obtenu l'accès à son associé, le trafic d'armes. En faisant augmenter les profits de vos colonels, vous aurez accès à de leur associé et leur amélioration et de leur service. Ok, trafic d'armes. Ok. Ok, d'accord. Trafic d'armes. Montre-moi ce que t'as. Yagi, ce délire. C'est quoi ce camion? Il s'est passé quoi avec le magasin? Le gouvernement m'a fait fermer. Ils veulent pas que les nègres achètent des flingues. Ils croient qu'on va commencer à dégommer les blancs ou je sais pas quoi. Fils de pute. Alors dis-moi tout. Dis-moi si tu veux quelque chose. On est arrivé. Apparemment il y a un truc ici, mais on peut rentrer dans les maisons, on peut les fouiller. Même s'il n'y a rien apparemment. Enfin, je ne vois rien qui pourrait m'intéresser. Hein. On va pas prendre une douche et aller aux chiottes. Ok, bah, il n'y a plus, il y a personne du tout. Il n'y a rien qui pourrait m'intéresser, ok. Ok, my friend. On y va. On rentre. Après là. Ouais, ici. Lincoln, ça me fait plaisir de te voir. Lavo. Ah, t'as what? Ça faisait longtemps. Je m'attendais pas à devoir bosser avec les Haïtiens. C'est ça. On s'inclinait devant ces sales trous du cul de sudiste. Tu sais bien que c'est pas mon genre de faire la révérence. Ça, c'est bien vrai, putain. Cassandra a appelé pour dire que t'allais t'occuper du père là. C'est ce connard de Merle Jackson qui est aux commandes. Il a transformé l'établissement en bordel et il laisse les bancs faire ce qu'ils veulent à nos sœurs. Comment je les retrouve?
Non, fais pas ça. Pas encore. La plupart de ces enflures de Dixie veulent se la jouer discret. Ils ont peur qu'on leur colle une balle dans le cul. Si je le mets dans la merde, il devra bien se montrer pour traiter avec moi. Je crois que je sais comment tu peux attirer son attention. Ils gardent des filles au deuxième, elles peuvent pas sortir. C'est pur sang, ils les appellent. Ils les dopent avec tout un tas de merde. Elles lui rapportent un max. Rentre en douce et sors-les de là. Je te tiens au courant dès que c'est fait. Ça m'a fait de la peine d'apprendre pour Sammy et Elise. Ils ont toujours été réglo avec moi. C'est parti, moi je vous le dis. Si les gens se secouent pas... Ok... D'accord, profite de le poste de trafic. Ok, atteignez merde en sabotant sur les autres productions. Ok, une étape de libérer les filles retenues en otage. Et il va finir par tout perdre. Okay. Et on sera battu pour rien. Bon, on va couper, hein, écoutez, on va couper. Biggie. Monsieur Labo m'avait prévenu que vous viendriez. Les filles sont à l'étage, mais attention, les hommes de merde sont partout. Merci pour le tuyau. Je crois. Et que tu tires en ralenti, quoi. Il manque plus le pouvoir de Trevor et c'est fait, quoi. Alors, ça c'est quoi? Ok, je perds mon flingue, mais j'ai un autre fusil, enfin un autre... Ok, territoire hostile. Donc pour frapper, c'est rond, ok. Toi, tu te... Voilà. C'est la fin en direct. Dégagez cet enfoiré. Tu... Headshot. On vient de perdre un gars. Headshot. Oh là là, mon dieu. Bon, je me baisse. Qui est le con qui m'a donné ce pouvoir? Alors, on me tire dessus. Je sais pas qui c'est qui... Ah, il est là-bas. Je crois que j'ai changé de flingue, je crois. Je sais pas si je l'ai eu. Par contre, je lui ai fait mal. Ok. Oh. Oh mon dieu! Les dégâts. Oh, je souffre. J'adore ce jeu. Alors, ok, fais voir. Alors, seul moyen de sortir de là, c'est de rester groupé. Accrochez-vous, on sera bientôt à la maison. Oh mon dieu, ils allaient. Alors, là, c'est quoi? Alors, je vais pas te laisser bouffer par cet endroit. Chaque chose dans son temps. Mais je reverrai ma famille, ça te fait aucun doute. Ok, c'est bon. D'ici. Ou alors, discret quoi. Discret. Oh, oh, c'était stylé. C'était super beau. On va pas prendre le fusil, j'aime bien le pistolet. Ah, t'es là toi? Merde, je l'ai pas vu. Désolé. Voilà. Ah, ça, c'est un cri d'Unity. Adieu. Ta mère. Tu l'as tué. Comment on te libère? Pas te libérer? Alors, c'est quoi la note? Alors, dites Charlie que la semaine a été excellente. Ronnie a vendu plus de $5,000. De Karn, c'est ça, et de Gan. À Romaine par loin de cette avec Richie. Fait tout faire pour la paix. De foutre la paix. Nous foutre la paix. Merde. Oh mon dieu, putain, je sais plus lire. C'est bon.
Ok. Passez le mot. Toute femme dans le besoin peut se rendre à la boutique le cœur transpercé. Merci. Beaucoup. Hein ? Mon église est la ville de l'ensemble de ses habitants. Les voix du Seigneur sont la plus grave. Et je... Dégage ! Apparemment, il y a des gens qui m'en veulent, c'est incroyable. Je crois que j'en avais eu un là-bas, mais apparemment, il a couru, non ? Il est armé ! Il est armé ! Alors, chers auditeurs, qu'est-ce que vous allez faire de beau ce week-end ? Moi, j'ai déjà... Attends tout de suite. Oh, merde ! Oh, bon. Mon enfant, et voilà. Parfait. On vole ma caisse et on appelle la police maintenant, oui, c'est depuis le temps, ça. On nous appelle à propos d'une voiture volée à Delray. Non mais c'est... Bordel... Toujours des problèmes, moi. Alors... Il est en bas? Non. Voilà. À toutes les unités, abandonnez. J'ai un petit quelque chose pour toi. Ouais, vas-y. Comme tu passes tes journées à cavaler, je me suis dit que ça te faciliterait la vie. Tu peux te servir de ça pour appeler des renforts. Moi qui te prenais pour un pauvre égoïste. On en reparlera. Au fait, Miss Lancaster est déjà au parfum et prête à y aller. Cette Cassandra t'a retourné le cerveau, hein. Putain de taré, tous autant qu'ils sont. Mais arrête. Oups. Ok, nous y voilà. Lincoln, ça me fait plaisir de te voir. J'ai libéré ces femmes. Putain, j'ai rarement vu un endroit aussi glauque. Ça fait mal au cul de voir ce que ces crevures de Pecno sont en train de faire. Dès que je mets la main sur Jackson, j'en finis avec tout ça. Merle a envoyé des Macs dans tout Delray. Il veut rattraper la thune qu'il a perdue. Liquide-les, et il pointera son nez au club. D'accord. T'en auras fini avec eux, reviens. Je saurai si Merle s'est ramené au club. Bon bah ça on fera ça dans la prochaine vidéo. Alors, tableau d'objectifs. Vous avez maintenant de nombreux objectifs depuis le tableau de, sur la carte option tableau d'objectifs. Ok. Aucun témoin, je sais plus ce que c'est. Focus. Les Macs de merde, des risques, dégâts, récompenses. D'accord, on va s'occuper de en fait. Ok, je vois. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et on se retrouve à plus tard. Ciao.